Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le luminari, enfin, je vous l'avais promis, la voilà. Donc le luminari, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le luminari? Étant donné que c'est une nouvelle classe, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus, on va commencer par les trucs de base, hein. C'est une classe violette, donc une classe DPS magique. La quatrième classe DPS magique qui vient après le magicien, l'illusionniste, le démoniste, donc le luminari. Luminari qui n'est pas encore traduit malheureusement, il est toujours les skills, les certificats sont toujours en anglais, mais j'ai à peu près réussi à tout traduire et je pense qu'on a moyen d'exploiter ça. Donc on devrait pouvoir faire quelque chose de potable, on va dire. Donc le Luminari qui est une classe magique, comme je l'ai dit, une classe magique spéciale vu qu'elle se joue en partie au corps à corps. Il y a beaucoup de compétences du Luminari qui sont plus utilisables au corps à corps qu'à distance. Elles sont tout de même utilisables à distance, mais c'est mieux de les utiliser au corps à corps. Donc on parlera de ça tout à l'heure. Donc le Luminari qui est une classe magique qui se joue à l'armure légère. Pas armure de protection comme le sage, comme le barde, c'est pas des armures de protection, c'est léger. Donc là pour le moment je suis avec le 7 de gloire 68 qui est c'est pas celui que je veux, hein. J'attends de faire le 7 gold 75, mais pour le moment j'ai pas assez de médailles de barde, donc on va attendre un petit peu. Sinon il se joue soit à la rapière, soit à l'épée, soit à l'épée colossale. Donc ce qui est très nouveau parce que avant le Luminari, il n'y avait pas de classe qui se jouait spécialement à l'épée colossale. Un petit peu les crapauds guerriers grâce au racial. Mais même les crapauds restaient quand même à la hache parce que le gain d'attaque était plus important avec une hache qu'avec une épée colossale. Donc là, c'est vraiment la première classe qui se jouera à l'épée colossale et que ses compétences se joueront à l'épée colossale. Par contre, j'ai quelques bugs, je crois. Oui, ah non, si, il y a eu un petit freeze, rien de méchant. Bon, voilà. Alors, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les certificats et les compétences. Donc voilà, tenue de classe. Bon, je l'ai teinte un petit peu, mais bon, elle est pas très belle, du coup, je préfère rester avec mes fashion. Les certificats du Luminari qui sont très, très, très intéressants. Comparé aux certificats des autres classes, c'est des certificats qui servent partout. Bah, pour toutes les classes qui hormis les physiques hein. Si peut-être pour celui-là mais c'est pas très utile, mais pour toutes les classes magiques elle servira forcément. Donc on va commencer par Magic Lesson, donc je pense que ce serait plus leçon de magie, qui 10% de chance de redonner alors voilà, si vous infligez un dégât vous avez 10% de chance de récupérer 5% de vos points de mana. Et au niveau 2, c'est 10% de chance de récupérer 10% de mana. Donc c'est assez pratique pour les clercs. Hein. Si vous êtes en manque de mana, vous faites un sort, vous récupérez 10% de mana, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Chaotic Wild. Alors, si je traduis ça normalement d'un coup, ça ferait Roue du Chaos. Et ça augmente votre attaque magique de 5% au niveau 1 et de 10% au niveau 2. Donc quel est l'avantage d'avoir un tel certificat? Bah, vous pouvez virer le carré vert que vous avez en temps normal sur les DPS magiques à deux mains et pour laisser un carré violet par exemple. Donc ce certificat-là a changé le gameplay de beaucoup de personnes sur le jeu. Donc exploitez-le correctement. Et ensuite pour le dernier certificat, vous avez Demonic Slash, donc la coupe démoniaque, on va dire ça comme ça. Quand vous faites un coup critique, vitesse d'invocation plus 5%, cumulable 3 fois pendant 4 secondes, et au niveau 2, c'est vitesse d'invocation plus 10%. Ce certificat est juste génial pour tous les DPS magiques, parce que vous faites un coup critique, hop, 10% d'invoque. Vous refaites un coup critique, encore 10%. Donc voilà, ce certificat est juste magique. Une fois que vous avez suffisamment de top critique, vous pouvez largement virer vos certificats de vitesse d'invocation et le remplacer par celui-là. Il n'y a pas photo. Donc maintenant pour les compétences du Luminari. Alors on va ranger ça comme ça. Est-ce que je peux au moins le monter? Non? Bon. Pourquoi le Luminari il est nerfé au niveau des compétences comme le samouraï. Mettons que je mets une masse. Enfin, je peux rien faire. À part le sort de base.
Il faut une épée, une rapière ou une épée colossale, au moins, pour pouvoir lancer vos sorts. Donc on va commencer par Light Split. Je me suis pas amusé par contre à traduire le nom des compétences, hein. Donc on va les laisser en anglais. Donc Light Split, qui est une attaque à distance, un snipe, et qui inflige des dégâts de lumière. À chaque fois que vous faites le Light Split, alors est-ce que ça... Non, ça fonctionne pas quand on one-shot les mobs, j'ai l'impression. 2 secondes, je branche mon chargeur. Voilà. Quand ça fonctionne pas quand on one-shot les mobs. Alors, j'essaye encore. Non, donc en fait, quand vous faites la split, normalement vous avez un petit boost qui apparaît ici avec un symbole comme ça, comme le symbole du Holy Prayer, qui est cumulable 10 fois. Ce sera la même chose pour le Black Cut. En fait, je vous explique. Quand vous avez 10, le petit symbole avec 10 du Light Split et du Black Cut, vous devez faire 2 skills pour activer le mode chaotique du Luminary. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure dans une map où je one-shot pas tout de suite les monstres. Ensuite, vous avez... ou non, tout simplement, je vais faire ça. Bah ouais, ça. Hop. Donc ça, c'est une épée de l'Arcane Box, hein, faites pas attention. Elle est toute moche. Et elle est toute pourrie. Alors, voyez, hop, 1, 2. Et ça continue jusqu'à 10. Et une fois que vous avez 10 stacks, vous devez faire une combinaison. Ensuite, vous avez Aurora Light Destruction. Aurora Light Destruction, c'est une attaque à distance, en ligne, qui inflige des dégâts sur 25 pieds, il y a marqué. Moi, je pense que ce serait, je dirais, à 6 mètres, comme le Purgatoire et la Coupe Azura. Vous voyez, en fait, ça peut toucher, ça touche plusieurs adversaires. Tout doom, voilà, c'est comme ça. Et c'est à distance. Donc, ouais, je pense que ça doit être à peu près la même portée que la Coupe Azura et le Purgatoire. La plupart des sorts sont cumulables avec un autre sort, mais on parlera des combos à la fin. On va d'abord commencer par présenter les skills. Ensuite, vous avez le Bursting Light qui a une AOE autour de vous, à peu près comme quand vous aviez la tornade en clair. Et vous voyez, voilà, pouf, ça fait votre personnage fait ça et ça inflige des dégâts à combien? À 20 pieds. Donc 20 pieds, bah, c'est un petit peu moins que l'autre compétence. Vous voyez, c'est pas très loin non plus. Mais on verra plus tard que cette compétence est très utile. Alors, il veut bien se déplacer lui? Non, il veut plus. Pas grave. Donc ensuite, vous avez le Blinding Glory. Blinding Glory qui est un fufu. Alors, je vais vous montrer. Hop, et vous faites. Et vous êtes hors combat. Mais ça fonctionne que si vous êtes à côté de la cible. Sinon, ça vous fufu pas. Faut bien trouver le moyen pour le caser. Hein. Ensuite, vous avez Holy Prayer. Holy Prayer qui est un boost. Un boost, alors on va essayer de pass fail dans la traduction. Cost de MP. Ok, donc si je me gourre pas, vous consommez 40% de vos points de mana pour vous redonner 30% de points de vie. Donc là j'ai tous mes points de vie donc ça va pas marcher, mais vous allez voir que mon mana, vous avez vu, il a pris une bonne claque. C'est pour ça qu'en humain c'est pratique, on a purification pour remonter notre mana assez vite, donc c'est plutôt pas mal. Holy Prayer également, ça vous fait un boost. Alors, non, ça, oui, vous bloquez en fait la prochaine attaque. La prochaine attaque qu'on vous fait sera bloquée, comme un blocage de bouclier. Donc c'est génial, franchement, c'est vraiment super utile comme compétence si vous en servez au bon moment. Ça veut pas se déplacer, ça m'énerve. Bref, ensuite vous avez le Black Cut qui est une triple attaque de type qui inflige des dégâts de l'ombre et qui est très puissant. Comme Light Split, c'est une attaque qui... Eh ben là je l'ai one shot vu que c'est une triple attaque. Mais bref, c'est comme Light Split, ça se cumule 10 fois dans votre barre ici. Ensuite, vous avez Dead Silence Formation, qui est une AOE autour de la cible. Donc, vous voyez, vous visez, ça charge et ça attaque. On peut, au niveau du rayon d'action de la compétence, on peut dire qu'elle ressemble à la tornade. Sauf que, bah, différemment à la tornade, cette compétence se charge.
Ensuite, vous avez la Shadow Cross. Shadow Cross qui est mon sort favori pour le PvE. De masse, bien entendu. C'est une compétence qui tape aux 4 points cardinaux. Vous allez voir. Et vous voyez, ça tape en croix. Donc l'orientation de la croix varie en fonction de comment vous êtes placé. Si vous êtes comme ça, vous voyez, la OE va taper comme ça. Là, je l'ai touché, mais je ne l'ai pas tué. Hop, voilà. Donc c'est une compétence qui est vraiment très 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 utile au niveau PvE. Et comme les autres compétences, elle est cumulable. Ensuite, vous avez Gateway to Darkness. Alors, c'est un TP. Un TP, c'est tout, mais sur la cible. Et vous entrez en mode combat. Il inflige pas de dégâts, hein. C'est juste que là j'ai attaqué le monstre en même temps, donc du coup ça a fait des dégâts. Oula, ça freeze là encore. C'est bon, ça freeze plus. Et ensuite vous avez Dark Shadow Sacrifice. Dark Shadow Sacrifice qui est un sort à double tranchant quand vous n'êtes pas en arène. Alors en fait, vous le faites. Ça vous fait... Alors, increase magic crit, alors dégâts crit, taux de critique magique plus 20% et dégâts critiques magiques plus 50%. Donc 0,50. Donc vous voyez que le taux de critique magique augmente et les dégâts critiques magiques augmentent. Mais en contrepartie, vous avez une baisse de 20% de vos points de vie. Donc c'est un contre-coup qui est assez violent. Mais petite astuce, quand vous êtes en arène et que vous faites Dark Shadow Sacrifice, ça consomme 20% de vos points de vie réels. Donc sans le boost de l'arène. Donc n'hésitez surtout pas à le faire en arène. C'est faut le faire. En plus, vous allez voir, vous le faites. Il a cool, il dure là 15 secondes. Et là, il reste 15 secondes aussi. En gros, ce sort, vous pouvez le farmer. Quand il est plus là, bah vous pouvez le remettre tout de suite. Le cooldown est égal à la durée du skill. Donc c'est plutôt pas mal. Avant de parler des combos, on va parler des ratios. Alors les ratios, oulala, attends, faut que je... Parce que c'est la seule chose que j'ai... Par contre, ça freeze beaucoup, beaucoup là. Oula. Est-ce que tu peux me montrer la case du Templier, s'il te plaît? Oui, voilà, merci, c'est très gentil. Oula, les bugs. Ok, donc ça, c'est ça. Donc... Le passif du Luminari pour toutes les races. Attaque magique plus 5%. Et pour humain, alors attendez parce que je ne l'ai pas traduit. Je réfléchis. Ok. Donc j'arrive pas. Je vais pas faire un truc pourri et essayer de trad la suite. Je vois juste qu'il y a marqué Increase Magic Crit Rate plus 20%. Donc je pense que c'est taux de critique magique plus 20% ou un truc dans le genre. On va rester là-dessus, mais à voir, essayez de le traduire de votre côté. Donc maintenant on va parler des combos. Combo du Luminari. Pour ça, je vais juste changer de map. Un petit épée, direction Haven, comme ça ce sera plus simple. Allez, allez, allez. Oula, il y a beaucoup de freeze ce soir. Je sais pas si c'est ma connexion ou si c'est le serveur qui est HS, mais là je vois plus rien. Non, c'est bon, ça y est. Ok, c'est bon. Oulala, c'est moche les freeze comme ça, c'est très très moche. Je suis peut-être encore connecté à Skype à la limite. Non, je suis pas connecté à Skype. Oh, bah ça doit être ma connexion. Depuis ce matin, je sais pas ce qui se passe. C'est très 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 limite la connexion. Donc on va retourner au Royaume Dévasté, comme l'endroit où j'avais présenté le Chevalier Dragon. Alors, voilà. Ici, normalement, les monstres, on les one-shot pas. Bon, on va commencer par le plus compliqué. Le mode Chaos. Le mode chaos, si vous voulez, c'est une combinaison de 4 skills qui fait que votre personnage entre dans un mode différent où tous vos skills disparaissent pour être remplacés par juste une seule barre comme ça et vous avez 4 sorts. Sauf que ces 4 sorts, pardon, sont juste démoniaques. Il porte bien son nom, c'est le Luminari. Enfin, à la base, son nom c'était censé être le Chevalier du Chaos. Limite, soit je préférais qu'il garde Luminari ou qu'il remplace par Chevalier du Chaos. Mais vous entrez dans un mode de combat qui est juste opti et vous faites des dégâts monstres, même si vous n'avez pas beaucoup de stats. Donc on va essayer de le placer. Alors il faut faire 10 stacks de light split. Donc faut que le symbole apparaisse 10 fois dans votre barre. Oula, par contre avec tous les lags, ça va être dur de le faire.
Alors, hop. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu le black cut. Light split. Ah voilà, mince. J'ai mon light split qui est parti, punaise. Voilà, on recommence. Non, pars pas, pars pas, pars pas. Voilà. Ah mais non, mais voilà, c'est ça que je trouve assez énervant dans le... Bon, j'arrive pas à le placer, ça m'énerve. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais laisser pour le moment le mode KO. Je vais le filmer dans une autre vidéo et je vous le mettrai en bonus à la fin d'une autre vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous le montrerai, j'essaierai de le commenter. Le problème avec du mode KO, c'est qu'il dure pas longtemps, donc c'est très dur de commenter les compétences. Je crois qu'il dure une 15-20 secondes, une connerie comme ça. Mais bref, pour le décrire très vite, le mode KO, vous avez une AOE où vous vous tournez sur vous-même comme l'attaque tourbillon des classes jaunes. Sauf que l'AOE est énorme. À cette distance-là, il me semble que je peux toucher le mob qui est là-bas. Et tout ce qui est autour. Donc c'est juste énorme. Et en plus, les dégâts suivent avec, et je crois que c'est une triple attaque. Donc c'est génial. Vous avez ensuite une attaque qui fait... Bah, comme ça, par exemple, le personnage fait comme ça. Il saute et il attaque l'ennemi. Sauf que ça touche aussi tous les ennemis autour de lui. Donc c'est aussi énorme. Oula, encore un freeze. Vous avez un TP. Donc en fait... Vous êtes là, vous cliquez sur le monstre, la compétence en cliquant sur le monstre. Vous êtes TP derrière le monstre, mais tous les monstres qui sont sur la ligne de votre TP se retrouvent à avoir infligé des dégâts. Donc c'est ça aussi, c'est violent. Et la quatrième compétence vous enlève du mode KO, mais inflige des dégâts tout autour de vous. Donc il y a beaucoup de dégâts, il me semble que si vous faites plusieurs fois une certaine combinaison de touches, le quatrième sort qui vous sort du mode KO fait un double dégât. Donc c'est monstrueux. Donc voilà pour le mode KO, je sais pas si avec cette description vous arrivez à peu près à cerner à quoi ça ressemble. De toute manière, si... c'est simple. Vous n'êtes pas en mode KO si votre configuration de compétence reste comme ça. Il n'y a plus qu'une barre quand vous êtes en mode KO. Une seule, c'est tout. Donc on va parler maintenant des combos. Alors le combo le plus utilisé c'est Shadow Cross avec Bursting Light. En fait, c'est un silence. Bah bref, ça, je l'ai tué, donc c'est pas grave. Si vous voulez, en fait, quand vous faites cette combinaison, vous avez le symbole du Shadow Cross qui apparaît sur le monstre. Donc on va essayer de pas le tuer. Voilà. Et après vous faites Bursting Light et votre cible sera silence pendant 3 secondes, je crois. Ensuite vous avez l'inverse, il faut faire Bursting Light et ensuite Shadow Cross et votre cible sera immobilisée. Donc c'est si vous combinez bien les trucs, c'est bien. Le seul inconvénient de ces deux combos, c'est que Shadow Cross est très dur à placer parce qu'elle tape qu'aux 4 points cardinaux. Donc les ennemis ont le temps de vite de se déplacer pour pas être touchés. Ensuite, second combo, alors c'est Dead Silence Formation avec Aura Light Destruction, nom de Dieu. Et alors, statut Fear Monster. Alors, si vous faites Aurora Light en premier et ensuite Dead Silence, votre cible aura les résistances élémentaires réduites de 10 points. Donc on va essayer de pas le... Voilà. Ah non, voilà. Résistance élémentaire moins 10 points. Et si vous faites l'inverse, donc Dead Silence Formation et Aurora Light, c'est les résistances à l'entaille qui seront diminuées de 10%. Ensuite, le troisième combo, c'est Getaway to Darkness, donc le TP, plus le fufu, et en fait, voilà, ça stun la cible pendant 3 secondes. Donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est un stun combo que les gens n'ont pas forcément le temps de voir. Et après, vous avez l'inverse, il me semble qu'il fait quelque chose, donc faut vous mettre en fufu, et vous faites le TP. Mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, donc oh, c'est bizarre on va dire. À modifier, à tester, voir quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Donc voilà pour le Lumi. Note, il n'a pas de skill 72, enfin pas pour le moment en tout cas.
Il n'y a pas de skill 72 qui existe pour le moment pour Lumi. Donc n'allez pas voir au PNJ s'il y en a un. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit sur le Luminari. Ah non, oui, j'avais oublié le plus important dans l'histoire quand même. Non, c'est pas l'arbre des compétences le plus utile, le plus important. Vous auriez pu penser que c'était ça vu que j'ai ouvert la fenêtre, mais c'est pas ça. Le Luminari, c'est une classe à dégâts fixes. Si vous voulez, la plupart du temps, vous ferez toujours les mêmes dégâts en Luminari. Avec une compétence là, 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 vous ferez toujours les mêmes dégâts. Soit vous ferez les mêmes dégâts, soit vous ferez beaucoup moins, soit vous ferez beaucoup plus. Mais vous n'avez pas de variation très grande au niveau des dégâts. Souvent, les dégâts sont très fixes. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller au niveau de l'arbre des compétences du Luminari? C'est de ne pas mettre de points dans l'augmentation des compétences. Donc pas de points dans l'augmentation de Shadow Cross, de Bursting Light ou toutes les autres. La formation que un bon Luminari doit opter pour moi, à mon avis, c'est 10 là, 10 là, 5 là, 10 là. Ça, c'est obligé. Alors, on va quand même dire ce que ça donne. Là, c'est des points de taux de critique magique. Donc 10 points de taux de critique magique. Là, c'est des points de chance. Donc ça, j'ai mis 10 points de chance. Ici, c'est des points de mal généré. Donc j'aurais aimé que ce soit autre chose que tu mal généré, mais j'avais besoin de ça. Ici, ça réduit le mal généré de 2%. Et ici, en fait, c'est agilité, plus 1%. Donc là, j'ai 10 points dedans. Ensuite, allez chercher les points de cooldown. Dans Light Summon, en fait, ça réduit le cooldown de Holy Prayer, qui est le heal et le bloc, en fait. Pourquoi le réduire le cooldown? Parce que si vous voulez, quand vous le faites, quand le boost qui vous permet de bloquer est désactivé, vous ne pouvez pas refaire le sort, alors que là, vous pouvez le refaire. Donc franchement, mettez les 3 points là-dedans. Ça, c'est avec un panneau, attention, mettez-les, quoi. Ensuite, dimension, contrôle des dimensions. Alors, déclarer cooldown. Ça réduit le cooldown du TP, donc c'est toujours pratique. Et ça, c'est quelque chose qui augmente votre vitesse de déplacement de 2%. Donc vous voyez, j'ai mis 10 points dedans parce que la vitesse de déplacement, oui, ça peut être pratique quand même. Pourquoi ne pas mettre des points dans le cooldown de celui-là? Parce que celui-là, de base, de toute manière, quand il est désactivé, vous le réactivez. Donc, c'est des points perdus si vous en mettez dedans. Moi, j'ai mis ensuite des points dans l'attaque magique à l'épée colossale, épée ou rapière. Il faut bien mettre des points dans l'attaque, hein. Je pense que bientôt, je vais faire un petit reset et retirer... Non, en fait, je vais pas faire de reset du tout. J'ai rien dit du tout. J'ai dit une bêtise. Donc, oubliez ce passage. Voilà. Un point là parce que j'avais un point en rab, donc je l'ai mis dans l'intelligence. Je cherchais pas pourquoi. Dégâts critiques magiques plus 1%. Je vais être capé bientôt grâce aux enchantements des mentors et au up de stuff, donc ça me sert strictement à rien. Alors, Icy Crest plus 2%, donc ça c'est la précision. Non, non, je dis pas. Parce que ça va vous prendre. Alors attendez que je calcule combien ça vous prend. Sachant qu'à partir de 5, ça vous donne 2 points. Ça vous prend 2 points pour monter à 10. Donc là, ça fait 15, 15, 15. Donc ça fait 45 déjà. 45, 50, 55. 55, donc 55, 2, 4, 6, 8. 55, 68. Oula, je suis perdu dans mes chiffres. Bref, rien que cette ligne-là, ça vous prend beaucoup de points. Donc, mettez pas de points dans les précisions et tout ça. Cast speed plus 1%, non. C'est la vitesse d'invocation parce que vous pouvez largement vous caper en luminari. Ça, c'est... Le luminari, il manque pas de vitesse d'invocation, ça, je peux vous le dire. Là, c'est pour augmenter les dégâts de Aurora Light. Donc, non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas de points dans les augmentations de compétences. C'est des points perdus vu... Que le Luminari a des dégâts fixes. Là, c'est pour augmenter la puissance de Dead Silence Formation. Donc non, encore, ne mettez pas de points. Là, mettez des points si vous avez des points en trop. Alors là, c'est Light Split et Black Cut plus 2%.
Je vais vous dire non, parce que c'est ce que je dis, le Luminaria a des dégâts fixes. Mais Black Cut, faut pas oublier que Black Cut c'est une triple attaque, donc pourquoi pas penser mettre des points dedans, à réfléchir. Même s'il a des dégâts fixes, à réfléchir. La Shadow Cross, donc non. Bursting Light, donc non. Et là, le cooldown, non plus. Au niveau du certificat carré violet pour le moment, moi j'ai fait parce que je suis pas encore full stuff. Donc une fois que je serai full stuff, on verra ce que ça donne. Capez-vous en taux de critique magique en chance et n'oubliez pas le certificat d'attaque magique parce que c'est 10% d'attaque magique pour tout. Pas forcément si vous êtes équipé d'une arme, pas comme le carré orange, le carré jaune le laisse, nous laisse dire. Donc faites attention à ça. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur le Luminari. Si vous avez n'importe quelle question sur le Luminari, traduction, gameplay, je me ferai un plaisir de vous aider à ce sujet-là, parce que je sais qu'une classe en anglais, c'est pas forcément facile de la prendre en main quand on n'a pas traduit. Donc mettez des commentaires si vous avez des questions, posez n'importe quelle question sur le Luminari, sur sa classe, sur le gameplay, sur l'arme, tout ce que vous voulez, bref, tout ce qui peut vous aider. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Concernant le prochain contenu de la chaîne, j'ai déjà une petite idée dessus. Parce que ça y est, d'ailleurs ça m'a étonné qu'on me pose ce genre de questions. Pardon. Je pensais pas que ça pouvait avoir un quelconque intérêt pour vous, étant donné que c'est juste. Enfin, si, c'est juste, mais bon, c'est ma chaîne, donc ça. J'en ai besoin. C'est mon petit passe-temps favori, quoi. Et puis c'est pour vous aussi. Mais on m'a demandé à peu près des informations sur moi, comment j'allais, qu'est-ce que je faisais dans la vie et tout. Je vois pas l'intérêt de ces questions parce que voilà, bon, moi c'est ce que je conçois par rapport au jeu. Je sépare beaucoup l'IRL du jeu en fait. Donc c'est pour ça que moi ce genre de questions ça m'a étonné. Donc je vais faire plaisir aux personnes qui m'ont posé des questions parce qu'il y en a eu pas mal, ça m'a étonné. Et la prochaine vidéo sera très simple. Vous m'envoyez sur le jeu un mail avec votre question, n'importe laquelle. Bon, n'abusez pas non plus, hein, j'ai mes petits secrets perso. Et je répondrai pour la prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tant que je le peux. Ensuite, une question qui m'a été posée par contre tout de suite sur la dernière question sur la dernière vidéo du démoniste. On me l'a demandé en mail. Non, je ne peux pas vous donner ce genre d'information, la personne qui m'a posé la question, parce que étant donné que je suis en période de test chez les GS, je n'ai strictement pas le droit de vous conférer des informations au niveau du contenu du jeu à venir ou de n'importe quoi d'ailleurs en ce qui concerne le jeu ou les autres joueurs. Donc je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire. Donc voilà. Sinon, pour le prochain contenu de la chaîne, je vais réessayer de filmer un épisode de Pokémon. Je sais qu'on n'en a toujours pas fait, et ça, franchement, ça me... Oula, gros freeze. Ça m'énerve beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de choses à te dire sur ce jeu. Même si c'est un jeu qui est très simple, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'aimerais bien pouvoir faire la vidéo, sans que ça foire à chaque fois. Donc je vais essayer ce week-end. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo ou pour autre chose sur le jeu si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez jouer avec moi tout simplement. Sur ce, je vous salue et à la prochaine!